Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et nous nous retrouvons donc dans Sonic Lost World, avec, voilà, la cinématique qui s'enclenche, non c'est bon. Donc voilà, vidéo test de Sonic Lost World, donc bah, je l'ai pas fait totalement en entier, enfin j'ai fait tous les niveaux bien sûr, mais ce qui paraît on peut débloquer le mode Super Sonic, comme dans la plupart des Sonic. Ouais, il y a encore cette connerie. Donc maintenant j'ai compris comment s'utiliser les objets. Faut les utiliser. On peut les utiliser avec le gamepad, mais que quand on est dans un niveau, et pas quand on est dans la carte. Et il y a aussi deux DLC qu'on télécharge. J'ai remarqué ça, j'ai vu. Je vous l'ai montré. Ou non, non, c'est la surprise. Ou non, allez, je vais vous les montrer. Et... voilà. Carrément Zelda, le monde de Zelda dans Sonic. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis il y a Yoshi aussi, Yoshi Island, carrément. Yoshi Island, la version Super NES et Nintendo 64. Et sur DS également. Voilà, donc il y a carrément deux DLC que je montrerai, je pense que je ferai ça en voix off. Enfin, je parlerai pas. Juste pour que vous admirez. Parce qu'en fait ils ont pris la bande son de Yoshi Island et la bande son de Zelda bien sûr, les musiques principaux de ces deux titres. Donc maintenant je vais vous montrer plus en détail les niveaux suivants et vous dire si ce Sonic m'a plu. Bah, pour ma part c'est un très bon Sonic, franchement je me suis beaucoup plus amusé sur Sonic Lost World que Sonic Colors. Sonic Colors je le trouvais pas mal, mais le problème c'est que il y avait certains niveaux qui étaient vraiment bâclés, qu'on finissait en 30 secondes. Alors que là, bah, tous les niveaux sont très longs. Mis à part le dernier monde qu'on débloque qui est vraiment loupé de A à Z. Mais sinon là, je vais vous montrer un niveau assez sympathique. Je me suis arrêté sur, je me souviens... voilà, ici. Et bien, en fait, j'aurais pas dû m'arrêter ici parce que regardez. C'est un niveau où on est sur les rails. Eh oui. Attendez, là ça charge. Tada. C'est un niveau sur les rails et... c'est un peu repris des niveaux en chariot avec Donkey Kong Country. Parce qu'il faut sauter au bon moment pour esquiver les obstacles. Et aussi, bah, y a beaucoup de plateformes. Des fois, il y a des rails qui sont coupés et il faut sauter par-dessus un trou. Enfin voilà, vous savez quoi. Et là, les rails, il faut savoir aussi que les rails rouges, avec eux, on va moins vite. Les rails gris, on va à la vitesse normale. Et les rails verts, c'est sur lesquels on va le plus vite. Il n'y a que deux niveaux comme ça dans le jeu. Donc c'est dommage. Parce que franchement, moi j'ai bien aimé. Et surtout, écoutez la musique. Voilà une musique sympathique, à moitié mélancolique mais aussi qui bouge. J'avais vraiment apprécié cette musique. Et puis la plupart des. La bande son de ce jeu est quand même très très bonne. C'est vrai que c'est un peu différent des autres Sonic. Bah, les tout premiers Sonic 3D c'était surtout du rock. Ensuite c'était un peu.
faisait un peu musique électro ou qui faisait un peu dance. Oui. Mais aussi maintenant bah c'est là ça fait à moitié comment expliquer, ça fait à moitié mélancolique et aussi une musique qui bouge. C'est assez spécial là, mais j'avais bien aimé ce thème. Et aussi le thème principal qui est excellent. Bon, au niveau de la bande son, c'est les musiques, c'est à moitié mais des musiques orchestrales à la Mario Galaxy. Et je trouve que ça colle très bien à Sonic. Voilà, ça c'est pour avoir des anneaux, hein, les chariots en doré. Quand on les explose, il y a des anneaux qui surgissent. Et puis aussi graphiquement, le jeu est quand même très beau, même si c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un style tout à part de Sonic, parce qu'avant on avait l'habitude de voir des jeux assez réalistes de Sonic, alors que là ça fait plus enfantin et plus plus Mario Galaxy quoi. Mais moi j'ai bien aimé et je préfère largement comme ça les graphismes comme ça, parce que il n'y a jamais de ralentissement, enfin quelques ralentissements, c'est quand même extrêmement rare. Le jeu est toujours à 60 fps, hein, j'ai l'impression. Il est très très fluide, heureusement dans un Sonic, hein, bien sûr. Bon, dans les Sonic d'avant, on avait plus l'habitude qu'ils soient en 30 fps, je crois. Voilà, niveau réussi, et puis il y a à peu près un même niveau comme ça, mais en plus difficile. Le problème, c'est qu'il ressemble pas mal. Il est ressemblant un peu quand même. Donc je peux comprendre quand même un peu pourquoi ils ont fait que deux niveaux comme ça. Donc sinon, les niveaux bonus sont quand même intéressants. Vous avez vu, de toute façon, je vais pas vous en montrer. Regardez les deux directs live, les vidéos découvertes. Et là, il y a aussi des zones cachées qu'on débloque. Quelquefois. Ils sont assez sympathiques, vous allez voir. Là, c'est repris du... de Donkey Kong Country Return. C'est-à-dire que là, en fait, on est balancé par un canon. Enfin, dans Donkey Kong Country Return, on est dans un canon. Enfin, une espèce de fusée, et puis on vole. Et donc quand on appuie sur le bouton B, et ben on allait de plus en plus haut, et puis si on faisait rien, on descendait. Alors que là, c'est le contraire. Là, c'est on va tout en haut si on fait rien, et si on fait B, on descend. C'est un concept assez marrant, et il y a très peu de niveaux comme ça. Mais bon, tant mieux. Hein, c'est... Moi, je trouve que les niveaux sont quand même assez uniques, hein, et que c'est pas comme les anciens Sonic. J'ai failli tomber. C'est pas comme les anciens Sonic où les niveaux se ressemblaient quand même davantage. C'était plutôt de la pure vitesse. Alors que là, c'est la pure plateforme vitesse. Là, faut faire gaffe aux fameuses fleurs du Green Hill Zone. Ah, puis maintenant, on fait gaffe à ça. À la fin, il y a une espèce de boss qu'on va combattre. Qui est assez bien fait. Les ennemis de toute façon sont super bien modélisés, je trouve. Le jeu est vraiment beau quand même. Et c'est un autre style de Sonic, hein, plus enfantin, et voilà. Moi j'ai très bien aimé. Bon, c'était pas trop un boss finalement. Donc voilà, nous sommes à la fin. Et on délivre encore les petits animaux. Ah, et aussi au bout d'un moment j'avais dit que c'était inutile les fragments d'étoiles dans Mario Galaxy, on avait toujours assez. Et bah là figurez-vous que non. Alors moi j'avais pas assez d'animaux, j'étais obligé de refaire un autre niveau au moins 3 fois pour en avoir assez. Surtout que le niveau à faire pour avoir plein d'animaux, c'est bien sûr. Il est loin derrière, celui-là. Et donc sinon ce Sonic Lost World il est composé de 8 mondes, plus un monde secret qui n'est pas terrible, avec 4 zones, enfin 4 niveaux plus quelques niveaux des fois des zones secrètes. Donc bon, niveau durée de vie, faut pas s'attendre à un truc de fou, mais niveau rejouabilité, c'est sûr que c'est vraiment bien quoi. Par exemple celui-là, on va le faire.
Les niveaux enneigés sont très sympas aussi. Voilà, on fait carrément du. On fait comme Mario, quoi. Du patinage. Se reconvertit en. Enfin, il patine, quoi. Se reconvertit en Mario Galaxy style. Le Sonic, là, avec cet épisode, quand même. Bon, j'ai du mal à monter. Voilà, puis. Là aussi, beaucoup de rajouts dans le gameplay de Sonic, hein, dans ce Sonic-là. On peut, je vais vous le redire, on peut. Déjà, on peut marcher, une première. Enfin, trottiner, ne pas aller très vite, comme je le fais là. On peut courir le plus vite possible en restant appuyé sur le bouton ZR. Le bouton ZL, c'est pour faire le spin dash. Comme ceci. D'accord, complètement viandé. Voilà, il y a notre copine là qui nous parle, mais bon, c'est l'un des six, c'est l'un des effroyables six, attention! Allez, je vais vous parler des boss aussi. Bon, je m'attendais à ça, de toute façon, que les boss n'étaient pas impressionnants, même au bout, même en avançant dans le jeu, les boss sont très moyens quand même. Il y a quelques idées qui sont vraiment bonnes, mais on les tue d'une façon tellement facile et tellement rapide que ça devient facile, quoi. Tellement rapide, voilà. C'est ça le problème. Sinon, là, la musique que vous écoutez, que vous entendez, bah, est vraiment sympa aussi. Bah, toutes les musiques, franchement, sont bonnes. C'est sûr que Sega, ils ont pas bâclé le travail là-dessus. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé les musiques dans Sonic. Et là, c'est un petit style de Mario Galaxy, et moi, j'aime bien. Même si en vrai, normalement, c'était un jeu qui devait sortir sur la Saturn. Mais bon, en vrai, c'est Mario Galaxy, ça a été copié de Sonic. Mais bon, vu que c'est pas sorti sur Saturn. Alors, on peut faire le piétinement aussi en appuyant sur Y. Donc, je suis très défaussé. Et on peut faire des roulades en appuyant juste sur Y. Je sais pas à quoi ça sert, parce que ça détruit rien du tout. Là, je vais faire le spin dash pour détruire, voilà. Vous voyez, c'est vraiment enfantin, c'est mignon. C'est vraiment. Je comprends pas l'interdit au moins de 7 ans en fait. Tous les joueurs peuvent jouer à ce jeu. Oh purée. J'ai failli faire un gros fail. La première fois, je me suis fait avoir ici. Avec toujours les fameux. Toujours les fameux trucs qui nous écrasent dans Sonic. Hein. Je vais crever la première fois, sérieux. Et là, heureusement, je connais un peu le niveau. Même si franchement, c'est que la deuxième fois que je le refais. Lui, je l'avais parfait. Mais sinon, il y a, s'il y a toujours le fameux mode de note, de notation, c'est en fait on est obligé de le sélectionner. Purée, on est obligé de sélectionner, c'est le contre-la-montre, quoi, en gros. Par contre, je suis tombé comme une merde. C'est assez. Faudrait que je joue un peu mieux que ça, en fait, pour vous montrer pas mal de choses. Là, faut pas aller très vite. Vous voyez que c'est. C'est vraiment à la Mario Galaxy. C'est-à-dire, on est vraiment en gravité. Là, on est sur la planète. Quoi. Enfin, la planète un peu zarbe quand même. Bon, elle a une forme bizarre pour moi. Bon, il y a toujours les espèces de bumpers là, qui nous. Voilà. Qui nous font foncer. Je crois que là on va bientôt avoir affaire au boss. Ah, et aussi pour avoir le Super Sonic, il faut débloquer tous les anneaux rouges. Oui. Vous savez qu'on trouve des fois dans les niveaux. Bah là il y en a 5, à chaque fois il y en a 5 dans chaque niveau, je pense, oui. Toujours ça, purée. Je me suis toujours pas fait à la maniabilité, décidément. Même en finissant le jeu. Mais pourquoi il reste pas sur le truc? Bon, et aussi on peut courir sur le mur, une nouveauté. Et bah voilà, sinon y a pas trop de nouveautés, c'est du Sonic. Et bien sûr, la super nouveauté, c'est que c'est beaucoup plus orienté plateforme, et c'est ça qui m'a plu. Ah, là il y a un anneau rouge, je sais pas comment j'ai fait pour pas l'avoir avant. Ah, je suis peut-être allé vers la droite pour avoir tous les animaux. Hein.
J'étais en manque d'animaux avant. À chaque fois, il fallait avoir assez d'animaux pour continuer l'aventure. Donc voilà, vous voyez quand même, bah là encore, c'est moyen graphiquement, enfin c'est assez simpliste. Mais là, par exemple, là, je trouve ça joli. Les petits sapins, on se croirait à Noël et... Bah voilà, c'est beau. Toujours les fameux loopings. Ah, il faut que je détruise ça. Pouvoir descendre. Oh, la maniabilité de fou. Sonic, là, il est en freestyle. Et voilà, j'ai eu l'anneau rouge. Donc, j'ai eu tous les anneaux. Donc, bah, maintenant, le niveau, on va voir un anneau rouge géant au-dessus du niveau. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous les anneaux de ce niveau-là. C'est vraiment exactement la même chose que Sonic Generation. C'est-à-dire qu'on doit récupérer tous les anneaux. Et voilà, vous allez voir un boss dans toute sa splendeur. Vous n'avez pas vu... si vous n'avez pas vu la vidéo découverte. Voilà, c'est quand même incroyable. Voilà, on la défonce et... Voilà. On saute, on appuie sur A et c'est fini. Un petit coup de homing attack et adieu. Adieu le boss. Bon, je vais peut-être vous spoiler un peu parce que je vais... faire aussi des niveaux rendus quand même assez loin, même presque à la toute fin. Et bien sûr, gros spoil, attention, bouchez-vous les oreilles. Ceux qui n'ont pas fait le jeu, bouchez-vous les oreilles. À la fin, il y a Dr. Eggman qu'on doit combattre. Mais oui, il se retourne contre nous, c'est incroyable. Bon alors, aussi, il y a une transformation, au niveau des transformations, il y a une transformation, une espèce d'astéroïde, c'est assez bizarre. Une planète avec des astéroïdes autour. Vous savez, j'avais utilisé dans la première partie. Et puis, juste avant le boss violet, là, qui ressemble à Waluigi, Zaz, je crois qu'il s'appelle. Voilà, il y a... Voilà, au niveau des niveaux, on peut faire la contre-la-montre. Après, la notation, elle est juste en dessous du niveau. Elle est marquée juste en dessous. Et puis, heureusement, on nous dit direct quel temps faut faire pour avoir S. Que des fois il y a des Sonic où ça ne nous le dit pas. Puis après il y a le mode coop. Bah, je vais pas essayer, mais ça a l'air pas terrible. En fait, c'est le deuxième joueur, il est de Sonic avec un espèce de petit hélicoptère télécommandé qui peut balancer des petits missiles qui assomment les ennemis. Donc c'est pas très intéressant le mode coop. Franchement, je suis vraiment déçu. Puis sinon, je pense pas qu'il y ait de mode en ligne, non? Donc voilà, ça c'est le deuxième niveau en rail. Bon allez, pour le fun, on va le faire, non? Oui, non, oui, non. Non, on va faire plutôt celui-là. Attendez, ce niveau-là, c'est pas un niveau en vrai. C'est on combat plusieurs boss en même temps. On combat les trois premiers boss. Des boss que vous avez déjà vus. Zaz, le gros pépère, là, le gros mangeur de chewing-gum. Et de hamburger. Et puis, il y a l'autre... Le Karate King, voilà. Le maître du karaté, voilà. Qu'on combat aussi. Donc voilà, on va faire ce niveau-là. Parce qu'il est assez intéressant, il est assez joli. Lava Mountain. Puis ben, il y a l'effet de chaleur, c'est assez bien rendu. Voilà, c'est... Moi, je suis pas trop déçu au niveau de la durée de vie de Sonic. Bon, par contre, je suis déçu... du dernier monde. Enfin, je vous montrerai ça après. Pour comment on utilise, voilà. Donc là, c'est une autre transformation. Pour monter, ça. Il veut pas monter. Ah si, c'est pas avec le bouton A, c'est avec le bouton de derrière. C'est avec le bouton RZ. C'est pour ça que je suis planté. Il y a aussi pas mal d'ennemis repris d'anciens Sonic, comme vous pouvez le voir. Bon, on va utiliser ça. Les pouvoirs sont assez intéressants et ils sont pas prises de tête, il y en a pas, on les utilise pas à chaque fois, hein, c'est pas chiant. C'est pas comme dans Sonic Colors où à chaque fois il y avait des couleurs et moi faut pas qu'il y en ait trop quoi. Là on va aller dans le bâtiment. Attends, comment on enlève le pouvoir? Par contre on peut pas enlever le pouvoir, c'est le problème. Pas désactiver.
aussi mis en touchant, mais j'ai la flemme de toucher le gamepad. Bah, et aussi au niveau de l'utilisation du gamepad, le gamepad est presque jamais utilisé, j'ai juste utilisé pour activer les pouvoirs, même si encore ça sert à rien parce qu'on peut les activer via le bouton R. Ah putain, je galère déjà. Voilà, on peut courir sur les murs, c'est ça qui renforce beaucoup le gameplay de Sonic. Sinon, au niveau durée de vie, oui, je suis pas du tout déçu, hein. Je m'attendais à ça de toute façon. Et Sonic, c'est jamais bien long. Attends, j'arrive jamais. Voilà. Bon. Faut toujours bien s'y habituer, hein, toujours. Pas complètement habitué. C'est pas comme dans Donkey Kong où maintenant j'arrive au niveau. Je suis un god, quoi. Je me la pète peut-être un peu trop. Hein. Voilà, on rencontre encore elle. Oui, puisqu'on rencontre souvent les mêmes personnages plusieurs fois, hein, puisqu'on les rencontre dans une autre phase. Ok, là je fais n'importe quoi. Ok, et la première fois j'étais même pas mort. La première fois j'étais même pas mort contre elle. C'est assez comique. Je suis plus nul que la première fois. Donc voilà, je l'ai touché. Donc voilà, je me fais toucher. Je joue super mal. En vrai, ces boss là, c'est vraiment. Ben voilà, elle est déjà morte. Encore là, c'était pas une idée incroyable. Hein. On a déjà vu ça dans Mario Bros, hein, un boss qui faisait du tremblement de terre comme ça. Purée. Ridicule. Il va y avoir pas mal de fails dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Bon, on s'en fout un peu du canon là. On est invincible avec les anneaux. Bon, attention, ça canarde de partout, hein. C'est quand même la base de nos potes les 6 effroyables. Les effroyables 6. Ils sont pas si effroyables que ça finalement, parce que c'est des boss quand même assez faciles à avoir. Bon, il y a juste peut-être le dernier qui est assez potable, on va dire. Potable. Juste ça. Parce qu'en fait, dans les Sonic, souvent, on avait des boss intéressants, même dans Sonic Colors, les boss étaient tous originaux et tout. Alors que là, c'est assez banal, je trouve. Ils ont vraiment fait le strict minimum pour les boss. Et pourtant, ils ont osé faire des bandes annonces que sur ces effroyables 6. Comme pour dire, mon dieu, c'est les meilleurs boss du monde. Attention. Donc bon, un peu déçu au niveau de ça, au niveau des boss. Au début, je m'attendais, bon, oui, que ce soit des personnages assez insignifiants. Mais bon, je m'attendais quand même que les boss soient un peu intéressants, quoi. Finalement, non. Il y en a qui sont potables, mais bon, c'est tout, quoi. Et puis la musique, par contre, là, est moyenne. C'est juste ça. Donc oui, au niveau des effroyables 6, vous avez vu, il y a la fille, il y a les trois autres Gugus qu'on a vu dans la vidéo découverte. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a celui qui fait toujours la gueule, le violet, qui est très moyen aussi. Si à un moment il y a une bonne idée, on doit lui renvoyer des espèces de missiles, c'est assez. Il y a des bonnes idées des fois. Ils sont pas assez bien exploités. Et puis le dernier, c'est le chef du gang, le rouge. La grosse brute. Donc voilà, là il faut vite monter parce qu'il y a la lave qui monte. Donc bon, là c'est pas très original, mais bon, cette idée est toujours bien. Voilà, c'est le violet qui fait la gueule. Le mec qui fait la gueule, il est jamais content. Okay, on peut pas l'avoir, en fait on est obligé de monter. Le rejoindre en haut. Ouais, il me saute dessus. Non, il m'a poussé. J'ai cru que j'allais tomber. Ok. Je joue super mal. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, voilà. C'était le boss très palpitant. C'est vraiment le point faible du jeu. C'est juste les boss. Sinon, je trouve qu'ils ont vraiment pas bâclé et puis que le jeu est intéressant. Enfin, là j'ai pas trop envie de faire ça.
Attendez, regardez, une petite technique que j'avais fait au début. Voilà. Même si avec le pouvoir d'avant, on pouvait en fait voler, à la fois voler et aussi foncer sur les anneaux, comme on pouvait le faire dans le bon vieux temps, hein, dans les premiers Sonic, en 3D. Là, je crois que c'est en faisant la flèche, voilà. On peut foncer sur une ligne d'anneaux, comme ça. Et vous voyez le temps en haut à droite, ce qui me reste pour... Bah pour rester à cette forme là, et ben on voit voilà juste au-dessus l'interface du truc quoi. Si la barre est vide, bah ça se finit le pouvoir. Là on va faire gaffe au. Bon voilà, là c'est. Je pense qu'on est parti pour le dernier boss. Vous allez voir, incroyable. Enfin c'est pas le boss final, hein. Moi au début j'avais cru que c'était le boss final, mais bien sûr. J'avais oublié Eggman, toujours là pour recommencer à faire ses fourberies. Ok. Vous avez remarqué qu'il meurt exactement de la même façon que Mario dans la lave. Tu pouvais perdre mon temps, salut. Et je n'ai pas de temps à perdre. Ah bah là, il y a notre pote. Bon, ça c'est, on va dire, une petite bonne idée. C'est que les 6 grands méchants, les effroyables 6 nous parlent en même temps qu'on avance. Ils disent des conneries du genre tu ne peux pas y arriver, t'es trop faible, tu m'énerves petit hérisson. Voilà, c'est le truc le plus grossier. Hein. C'est le truc le plus grossier qu'ils ont dit. Petit hérisson, tu m'énerves. Voilà, niveau scénario, je pense que ça a été plus plus pour les enfants hein, dans ce Sonic-là. Bon, même si le scénario est amusant, il est marrant. Mais bon. Ça casse pas trois pattes à un canard. Donc là, on va avoir affaire à un boss qui est plutôt potable. Par contre, celui-là, là, il est pas mal. Vous allez voir comment faut l'avoir, voilà, comme ça, et il nous fonce dessus. Ah, et là, il faut être juste en dessous de lui, là où il y a le trou, pour qu'il puisse tomber. Pour pouvoir l'avoir, voilà, je l'ai eu, et je sais pas trop comment. Là, je suis en train de le mitrailler. On peut se mettre en haut aussi, mais je sais plus comment. Ah si, bah en touchant comme ça. On peut se mettre en haut et lui balancer les blocs aussi également. Plusieurs façons de le tuer. Donc c'est pas mal. Bon, on va attendre qu'il passe par là. Et là, faut esquiver ces boules de feu. D'accord. Je les esquive jamais, c'est ça le problème. Donc voilà, le super ralenti, le bullet time de fou. Voilà, et là, il va se transformer en géant, voilà. C'est Mario Bros, oui. Oui, c'est à peu près le même boss que Mario Bros, oui. Je comprends pourquoi Miyamoto était dans les parages. On va avancer un peu. Voilà, et là, maintenant, faut l'avoir d'une façon assez... original, on va dire, faut lui balancer les blocs sur la tronche. En faisant le piétinement. Et quand il clignote, bah c'est bon, ça veut dire qu'on le touche. Et c'est pas un boss bien difficile, encore une fois, c'est ça le problème. Ou si là il commence à s'énerver, attention. Ah mince, attendez. Faut absolument que j'aille là. Parce que si je vais sur les deux côtés, c'est foutu. Donc voilà, c'est quand même plutôt un boss intéressant et de bonnes idées. Attention là.
pas si facile que ça. Hein. Donc voilà, je l'ai vaincu et voilà. C'est pas digne d'un boss final. Mais c'est pas le boss final. Même si le boss final à côté de Dr. Eggman est quand même assez facile à battre, bah je vais vous le montrer. C'est... Il ressemble pas mal au boss de Dr. Eggman dans Sonic Colors, sauf qu'il est quand même moins impressionnant. Vous allez voir. Là, il est beaucoup moins impressionnant que dans Sonic Colors, parce que... Et en plus, dans Sonic Colors, il y avait vraiment une façon unique de le battre. C'était assez impressionnant. Le boss était assez impressionnant, il n'était pas facile, alors que lui, vous allez voir, on le bat assez facilement. Pourtant, moi, je me disais, oulala, Dr. Eggman avec un gros robot, et bah, ça promet que du bon. Bon, c'est un boss pas mal, on voit bien quand même que ces gars, ils ont plus opté pour la facilité. Et faire des boss assez faciles. Qu'on fait. Sonic court tout seul, là. C'est l'originalité du truc. Donc on peut aller que à droite ou à gauche. Ou sauter. Vous voyez, à chaque fois, c'est les mêmes attaques. Là, je crois 3 attaques. Ah si, plus la dernière pour pouvoir le toucher. Enfin, non, c'est pas une attaque, ça. Il se rapproche juste. Donc oui, il n'y a que 3 attaques. Donc bon, je pense que c'est quand même un boss assez bâclé. C'est vraiment simple à battre. Enfin, il est quand même un peu plus dur que celui d'avant, hein. Faut pas croire. Surtout que je suis à 0 anneau, comme par hasard. Faire gaffe à esquiver ses rayons, il vient de plus en plus vite. Si on... Voilà, il va faire une deuxième fois, je crois. Et voilà, là, je crois que ça va être la dernière fois qu'on va l'avoir, et puis là, il va exploser. Et voilà, adieu Dr. Eggman. Dr. Eggman, battu en 2 secondes. Avec le magnifique jingle de la fin. Avec aussi les cinématiques en image de synthèse. Enfin non, c'est pas une image de synthèse, c'est tellement bien fait que... En faisant les cutscenes, les cutscenes sont vraiment bien rendues, sont vraiment intéressantes. Elles sont marrantes. Des fois, il y a des petites blagues avec Dr. Eggman quand on est avec lui. Donc voilà, je vais vous montrer les 2 niveaux ratés de ce monde-là, le dernier monde, Hidden World. Et puis après, je pense qu'on va se quitter et je vous mettrai à la fin les 2 DLC. Donc Hidden World. Alors ce niveau-là est raté, le Rubicube, et celui-là aussi. On va commencer par le Rubicube et vous allez voir en quoi ça consiste. Voilà, en gros, on défonce les cubes et puis on va d'un autre côté du Rubicube. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'à chaque fois, on gagne 10 secondes en faisant ça, alors que là, il faut attendre 30 secondes pour que le niveau soit fini et qu'on réussisse. On va pas le faire, parce que bon, je vais pas perdre 20 secondes de la vidéo. Sinon, ce niveau-là, il est assez intéressant. Enfin... C'est une petite phase marrante où on conduit, voilà, le petit coucou de Tails. Ce niveau-là, il est pas très difficile, hein. On va pas très vite, c'est ça le problème. Sinon. Et en fait, ce niveau consiste à aller plus loin dans le niveau, tout simplement, en esquivant les ennemis. Et en prenant les anneaux rouges, on peut aller plus vite. Et en prenant les chronomètres, bien sûr, on rajoute 10 secondes. Et il faut surtout pas que le temps se finisse. Voilà. Du classique.
Donc voilà, c'est marrant de voir ça dans Sonic. Bon, par contre, graphiquement, ce niveau-là n'est pas très beau. C'est assez spécial. Oh, bah, je suis complètement viandé. C'est magnifique. Bon, voilà, vous avez compris en quoi consistait ce niveau. Et on va faire le niveau voilà, Hidden World, celui-là, qui est vraiment bon. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, il y a aussi le monde 4 que je vais pas vous montrer, mais il y a de très bonnes idées des fois dans le monde 4. Il y a de très bonnes idées, comme par exemple, on ne doit pas se faire choper par des hiboux qui sont contrôlés par l'un des effroyables 6. Donc, bon, c'était assez intéressant ça. Et puis, c'était une phase pas facile. Et puis on avait aussi la transformation de notes de musique. Je vois pas trop l'intérêt de cette transformation, par contre. C'est une nouvelle transformation qui est inédite à la Wii U. En fait, c'est que... c'est qu'en fait, avec le gamepad, on contrôle la note de musique et puis on peut aller sur d'autres notes de musique. En volant. Enfin, c'est assez spécial. Mais bon, les pouvoirs se démarquent pas trop, je trouve. Souvent, on vole, quoi. Ça consiste à voler. À part la... J'ai bien aimé par contre le pouvoir de la fusée. C'est intéressant. Là on va faire gaffe. Parce que ça se renferme, on va faire gaffe. Vous voyez, c'est ce niveau là est vraiment pas mal. A chaque fois on est sur une plateforme qui est en train de se faire désintégrer. Donc c'est pas mal. J'avais bien aimé cette idée. Bon, par contre j'ai l'impression que les développeurs étaient à l'afflux de la coke, parce que vous voyez quand même les décors très spécial. C'est très très spécial. Ça va faire gaffe de pas tomber. Là c'est des plateformes à la Mario Galaxy style encore, qui se referment comme ça. Donc faut faire gaffe. Et ce niveau n'est pas si facile que ça, faut se concentrer. D'accord. Hein, j'ai pas sauté assez loin, je ne sais pas pourquoi. Bon, heureusement, il y a des checkpoints, hein, par contre. Il y a des checkpoints dans ces niveaux spéciaux. D'accord. Heureusement. La maniabilité est très spéciale. Quand on court, ouais, qu'on saute... Comment on saute, c'est assez spécial. On s'y habitue même pas au bout de 10 heures de jeu, quoi. Mais normalement, le jeu, on le finit à peu près en 6 heures, un truc comme ça, mais après, il y a une replay value assez intéressante, parce qu'on a le mode contre la montre, pour avoir toutes les notes S. C'est ce que je vais faire. J'ai pas tout fait, bien sûr. J'ai fait que le premier monde, je pense, ouais. Et puis un peu le deuxième. Donc ça déjà c'est ça augmente déjà plus de la moitié, ça augmente de deux fois plus la durée de vie, même encore plus que deux fois plus, parce que bien sûr le contre la montre on fait pas du premier coup les niveaux, parce que c'est assez difficile en plus de ça. Ça a été vraiment timé à la seconde près. Comme dans tous les anciens Sonic, pour avoir les notes, les meilleures notes. Voilà, il faut attendre que l'autre plateforme vienne. Il met énormément de temps, j'ai eu de la chance. Bon, on va pas vous montrer la fin. On est quand même bientôt à la fin, donc... Là, faut tourner comme un fou. Ah, et aussi des fois on voit du popping au bout. Ça c'est un peu moyen, mais bon. Le jeu reste beau, hein. Esthétiquement et puis techniquement, il est vraiment pas mal. Ok, j'ai pas compris. Hein. Mais on était vraiment à la fin là, juste derrière il y avait l'arrivée. Donc on va quitter. Je sais pas, je vais vous montrer un autre niveau. Bah celui-là, je vais vous montrer, mais en 2 secondes.
parce qu'il est super long en plus de ça. Il y a marqué l'itinéraire en fait. Sur le gamepad, on peut voir l'itinéraire de chaque niveau. Enfin, si on est rendu à la moitié, si on est rendu au tout début, on peut bien voir où on est rendu. Donc voilà, c'est des espèces de Pac-Man là qu'on délivre. Pendant tout le niveau, faut faire gaffe au Pac-Man. Et à la fin, il y a un Pac-Man géant qui nous attaque. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop bien aimé ce niveau. Surtout qu'il est trop long. C'est ça le problème. C'est toujours la même chose, il est trop long. Il est pas si facile que ça, par contre. Donc là, je vais vous montrer... ce niveau-là, il était pas mal aussi. Il y avait un boss pas mal dedans. Bah, c'était l'un des effroyables. Les effroyables 6, c'était le rouge. Mais quel niveau qui est intéressant? Celui-là, bof. Celui-là, très moyen aussi. Le monde 4, c'est pas un monde que j'ai bien aimé. Même si y a pas mal de bonnes idées. On va prendre là où il y a les hiboux. Et après, on va se quitter et je vais vous montrer les DLC. Les deux DLC de Sonic. C'est peut-être grâce à ça que vous allez acheter Sonic. Hein. Voilà, là c'est un peu. On est un peu sur des rails. Si, j'avais bien aimé quand même ce niveau-là. Et c'est le dernier du monde 4, là, il est moyen. Vous voyez, graphiquement, c'est vraiment spécial. C'est vraiment. Là, on peut dire que Sonic, ce Sonic-là, est original, hein, graphiquement. Peut-être plus enfantin. Donc, comment on fait pour les tuer déjà? Allez, comme ça. Allez, parce que aussi, je vous ai pas expliqué dans le gameplay, mais en fait, je voulais pas toucher l'autre, mais en fait, dans le gameplay, on peut faire à la fois le homing attack classique, mais on peut faire aussi le homing attack, mais avec un coup de pied, ce qui permet de faire vinguer des ennemis, voilà, comme cela. Je pense que ceux-là, on peut pas les tuer parce qu'ils sont protégés par leurs champignons, et voilà. On est obligé de les avoir deux fois alors qu'avec le coup de pied, on peut les avoir qu'une seule fois. Ça rajoute encore quelque chose au gameplay et c'est pour ça que ce Sonic franchement renouvelle pas mal la série. Et j'ai hâte que le prochain Sonic sorte, hein, le Sonic Boom. Même si en voyant les personnages ça me fait peur. La gueule de Sonic dans Sonic Boom. Enfin, j'arrive pas. Purée, mais pourquoi il lock? Par contre, le gros problème, c'est qu'il lock des fois des ennemis qu'on ne veut pas locker. Et je trouve plus d'anneaux. C'est magnifique. On va d'accord essayer d'arriver. Ah, il est revenu. Voilà, là j'en ai locké un, c'est bon. Parce que des fois, il en a plusieurs et c'est pas pratique. Voilà, vous voyez. Le coup de pied là, on est obligé d'utiliser le coup de pied pour déstabiliser les araignées. Là je cherche le dernier, ah non il n'y avait rien du tout. Là il fallait tuer toutes les araignées pour avancer dans le niveau. C'est vraiment repris du style Mario Galaxy quand même. Ah purée, je joue très très mal et sachant que là quand on tombe dans la boue, bah, on perd de la vie, enfin on perd nos anneaux. Ça fait bobo quoi la boue. Ouais purée non. Je savais pas que ça se refermait cette merde. Ah bah ça je suis pas mort. Ah bah non. J'ai rien compris. Donc voilà vous avez su en quoi consistait ce niveau. C'est pas le niveau avec les hiboux. C'est pas grave. Donc voilà je pense que c'est tout hein. On va faire un autre niveau et puis je vais dire ma conclusion. Ça, je crois que c'est le niveau quand on est en boule de neige. Vraiment pas mal celui-là aussi. Ouais, il y a pas mal de bonnes idées dans ce jeu. Voilà, on peut faire le... Sachant que là, on ramasse pas les anneaux. Enfin, les anneaux restent sur nous comme ça. Donc c'est quand on rencontre un checkpoint qu'on va ramasser tous les anneaux qui sont sur nous. Vous voyez aussi les arrière-plans sont extrêmement beaux, hein, vous voyez en dessous. Alors vraiment les détails c'est en 3D, c'est vraiment bien fait. Je sais pas où aller.
fallait aller où déjà? C'est peut-être sur le truc. Ok, je me disais bien, c'est fourbe. Et voilà, fallait rester sur la plateforme pour qu'elle nous élève en haut. D'accord, donc là faut attendre. Le niveau... Donc oui, techniquement le jeu est quand même très beau. Ça nous refait vraiment penser à Mario Galaxy, mais en HD. Puis le jeu est extrêmement fluide. En même temps, c'est un Sonic. La plupart des niveaux quand même sont assez uniques. Hein. Ça fait vraiment plaisir aussi. Surtout qu'il en manque des niveaux de ce style-là dans Sonic. Et puis les musiques sont vraiment, il y en a vraiment qui sont excellentes. Puis d'autres qui sont vraiment bonnes. Donc bon, c'est pas non plus David Wise, mais quand il y a Miyamoto qui est par là, il y a quand même de bonne musique. Là, on peut avancer plus. Ouais, vous voyez là, ça consiste, faut surtout pas tomber. Et sachant qu'on est en boule de neige, on peut presque pas freiner. Et quand on va sur les bombes, on est un peu poussé. Il y a une bombe qui est accrochée sur moi. Donc voilà, c'est un très bon Sonic que je vous recommande. Bon, sachant que Sonic c'est jamais long, donc le jeu vous finissez en 6 heures la première fois. Et pour ceux qui s'intéressent, les challengers comme moi, ils peuvent faire le contrôle à montre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et je vous laisse avec les magnifiques 2 DLC. What?
Right.